Lorsque vous mettez l'information en bas, vous finissez tout ça, vous mettez, vous descendez en bas net, vous pouvez en bleu, un bouton bleu en bas net, li marqué USCIS vient ensemble avec un nouveau feature. Ça c'est un nouveau update. USCIS vient ensemble avec lui dans online, dans website online dans USCIS là. Le login dans account ou pouvez nouveau feature. Moi pour le montrer qui ça lié et qui sont café avec nouveau feature ça et comment pour utiliser là avec moi parle répondre quelques questions dans vidéo ça tout soudain mais ouais qui nouveau feature soudain mais ouais qui ça lié ou t'as mais connaît comment pour utiliser continue regarder vidéo ça bébé mieux. It's not that I don't want you here. It's something about the way you stare. Ça qu'a fait toute belle bébé mio, c'est Sabrina. Je dis à me retourner back avec une nouvelle vidéo pour vous. C'est la première fois où tombez boy site là, moi salue très fort dans nom Jésus. Et si c'est la première fois tombez boy site là, pas oublier la vidéo à un like. Ce que vous venez la première fois que ancien. Ba vidéo à un like pendant regarder vidéo ça et puis abonnez à la chaîne là si vous faites ça et ouvrez cloche notification pour recevoir toutes vidéos les moins postées. So, moi viens avec un nouveau update pour nous aujourd'hui. Avant de continuer ma vidéo, pas oublier like vidéo guys pour capable encourager travail là pendant ou regarder vidéo ça bébé mio. Si vous abonnez pas oublier pour capable abonner mes amours. J'aimerais te dire nous dans intro vidéo USCIS vient avec un nouveau feature. Feature li online dans USCIS account pour capable voir nouveau feature c'est faut gagner un account ensemble avec USCIS ça veut dire faut que monde qui te voit une application aller c'est pas celle pour forme I-134A non moi penser li pour toute forme parce que pour login dans USCIS account quand login ou après nouveau feature moi pour expliquer nous on va montrer nous comment il semblait dans écran sous écran on va montrer nous tout détail parce que nouveau feature ça li important si si on bénéficier ou besoin faire quelques update dans account ou besoin faire quelques update dans application dans camp online façon ça on mettait online là le login là la vraiment facile sous c'est un sponsor là vraiment facile pour qu'on va faire update là dans account online avec nouveau feature ça que vous mettez. So avant moi montrer nous comment il semblait comment pour utiliser avant moi tout détail de nouveau feature ça moi pour répondre deux questions que moi recevoir dans dernière vidéo que moi t'ai posté et puis après ça moi pour parler nous de nouveaux features. OK, so première question moi à répondre. Il dit bonsoir Sabrina. Merci pour l'information yo. Si yon moun paye visa déjà, li pa kana réunification famille là. OK. Paye visa déjà. Moi pas vraiment fin comprendre question bébé mio, mais bébé m'nan moi m'a répondre question pour vous. Parce que moi ouais ou parler de réunification famille là so m'a dit comment pour capable participer dans programme réunification famille là faut c'est invitation que USCIS a voyé ba ou pour capable participer dans programme là l'a voyé invitation ba famille ou qui t'ai voyé application forme 130 là pour ça veut dire famille qui t'ai appliqué pour résidence pour ou c'est au même qu'à recevoir invitation par email ou bien dans mail dans adresse que yo t'ai utilisé là ou t'as voyé application pour résidence aller pour ou même si ça gagne 10 ans 15 ans ça pas rien même si ça t'ai gagne longtemps depuis t'ai voyé application pour ou ça pas un problème depuis yo t'ai voyé application 130 là pour vous, famille table que présidence pour ou capable recevoir une invitation dans mes USCIS et lorsque nous recevons invitation dans mes USCIS laisse ça recevoir un code et puis laisse ça famille ou pour envoyer mon sponsor qui peut appliquer pour forme I-130 forme I-134A li pou utiliser code là pour capable voyer application ça aller pour ça veut dire que pour participer dans programme réunification famille là faut que c'est invitation que USCIS voyer ba ou dans email ou bien dans adresse que famille ou t'ai utilisé pour le t'a voyer résidence aller pour so c'est comme ça li bébé. Deuxième question, je vais répondre. Il dit comme ça. C'est en anglais. La question c'est en anglais. Il dit, I have a question. When will they be done with the people of January? OK. Mon amant dit qu'il est USCIS a fini avec mon janvier. Question ça, moi pas connais. Par exemple, qui connaît réponse là? No one knows the answer for this question. We don't know. We just it's a waiting game. We're all waiting, but they are still approving people. They are still, you know, just allowing people to enter. They are still approving people right now. People are still coming in the US. People are still receiving their travel authorization. It's just a process. Son process bagalaye. Juste pour patience c'est pour prier. Mais yo toujours ap travail sous case. OK? So par exemple, m'pa connait réponse là, par exemple qui réponse là, par exemple qui connaît qui l'a fin avec mon janvier. Nous pas connaît. OK? Konya la guys, moi fin répondre des questions ça, moi pour aller dans nouveau update là que you fait. Moi parle dit nous de feature ça. OK. So, j'aimerais te dire nous guys, je mets un nouveau feature. Les sous c'est un sponsor. Ou gagne your online account avec USCIS, OK? Les ou login dans online account pour regarder pour voir qui update you fait, qui est-ce que bon réponse de dossier etc. Même quand on paraît, ou après ça, je vais mettre la suite comme après ça. Il dit comme ça, new change, your address feature available. OK? You may now update your address with USCIS by submitting a request to change your address in your online account. So, mets là. So, vous mettez un nouveau changement pour capable update adresse online. Là, même côté où login dans account ou dans USCIS. Parce que il pas de constat, c'est à peine vous mettez ça, il pas de constat, il est difficile pour te capable update adresse. Quand là, vous faites même côté où login, vous pouvez nouveau feature pour capable changer adresse ou si vous voulez request pour capable changer adresse. OK? So, c'est nouveau changement ça yo fait. Vous pouvez le login dans account ou dans USCIS, même quand vous login, vous pouvez en l'air comme ça, vous pouvez ça marquer là pour capable changer adresse ou online dans USCIS. So, le cliquez sur partie qui dit request to change your address, OK? Le cliquez sur ça, vous pouvez dit change your address. Là, pour toute information là, après changer adresse, ou là, dit, we strongly encourage you to update your address with USCIS to ensure you receive all correspondence and benefits from us in a timely manner and avoid possible delays related to your case. So, ça dit ça, Abdoula, yo du conseil, USCIS encourage pour capable changer update adresse ou pour pas recevoir aucun retard avec case que vous voyez ba yo. Ça fait au fait ça mes amours, c'est parce que yo gagne en pile difficulté avec les monde après les en pile pour changer adresse. L'autre façon il était difficile gagne monde le voyer, spécialement monde qui yo voulait pour qui participer dans programme réunification famille là, les voyer mail ba yo dans adresse que vous te gagné, yo pas recevoir lettre, yo pour yo capable accepter invitation ba yo pour capable appliquer pour programme nan moun yo pas recevoir lettre parce que adresse yo te gagné yo pas nan même adresse là encore. C'est ça que fait yo fait ça, yo mettez nouveau feature ça pour encourager tout monde changer adresse yo update et pas changer non sous pas mon pas changer adresse. Pour yo encourager tout monde pour moun yo update adresse yo dans USCIS pour leur envoyer une lettre ba ou pour leur envoyer un résultat ba ou une réponse ba ou qu'en pourtant t'a envoyé mandola pour être capable joindre surtout pour programme réunification familiale parce que yo dit comme ça que yo voit en pile invitation ba moun et en pile moun pas répondre à invitation yo parce que yo remarque que moun yo changer moun yo move côté autorité pas moun yo pas dans même adresse encore et puis moun yo perdu téléphone yo pas même email etc. So yo encourager moun yo pour capable update adresse et yo fait ça plus facile pour vous là online. So yo dit comme ça, là on ben pile l'information comment pour changer adresse. So, après ça on mettait avant changer adresse là, yo dit mais qui ça pour capable faire avant changer adresse là. Yo dit comme ça, do not use this request to change your address if you are a victim of domestic violence. You have submitted an affidavit of support for other another person and you are a US citizen or national, yo ba toute information que yo dou avant changer adresse là, make it ça pour faire, okay? Do not use this request to change your address if. Pas utiliser que ça pour changer adresse ou si. Et puis yo mettez toute information en bas. So, et puis après ça, on va montrer nous encore toutes les informations yo. Après ça, yo mettez update. Après fin changer adresse ou qui ça pour faire, puis yo mettez DHS privacy notice et puis yo mettez toute information yo en bas. Et puis là vous mettez information en bas, vous fin lire tout ça, vous mettez ou descendre en bas net, ou ouais en bleu, y a un bouton bleu en bas net. Li marqué change address. Ça veut dire, l'on besoin changer adresse, l'on besoin update adresse là, ou fin li toute information que USCIS mettait, l'on fin peser côté pour changer adresse là, ou après un bouton bleu en bas qui marqué change address. Et pour peser ça, c'est comme ça que vous êtes capable de changer adresse pour update adresse. Parce que l'idée, genre, plus difficile pour être capable de update adresse ou parce que faut te yon se relé après relé parce que pas vraiment encourager moun relé ou parce que pile moun ka relé en pile call les moun relé ou fait tout jour dans téléphone ou pas ka parler avec yon moun pour parler pour cap changer adresse ou façon ça li plus facile et pas encourager tout moun qui gen famille yo qui te appliqué pour résidence pour yo parler avec famille ou son bénéficier sur Haïti parler avec famille ou pour demander moun est-ce que li toujours gen même adresse là que li te voyé pour déjà parler avec mon pour capable update adresse la fait mon a utilisé feature ça pour capable update adresse si tu changer parce que leur invitation ba ou pour capable recevoir et laisse capable rentrer plus vite et plus facile. So c'est nouveau feature ça monter le monter nous mais pas oublier ba vidéo un like et abonner à la chaîne pour qu'on fait ça. Partager vidéo ça pour l'autre monde qui t'a aimé changer adresse qu'on peut faire ça. Partager sharing is caring, ok? Partager vidéo avec un autre monde. Merci un peu parce que regardez vidéo ça. Ma pou dans une autre vidéo bébé mieux. Pas oublier quitter commenter en bas, like vidéo et quitter toutes questions en bas dans commentaire. Ma pou dans l'autre vidéo bébé mieux. One love guys.